Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle sélection dans laquelle nous allons vous présenter les meilleures défonceuses. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez aussi voir la description dans laquelle nous avons mis les liens des produits. Et sur ce, c'est parti pour la sélection. Tout d'abord, nous avons la défonceuse et tronçonneuse de la marque Makita. Cet outil est un outil qui convient aussi bien aux amateurs du bricolage qu'aux professionnels. En effet, il faut avant tout rappeler que cette défonceuse peut très bien servir de tronçonneuse, comme je vous l'ai dit. Mieux, elle est équipée d'une manivelle qui facilite le réglage de la vitesse rotative. De plus, il importe de souligner qu'elle excelle dans l'affleurage et le profilage du bois, sans oublier le plastique et autres matériaux du même genre. Un autre détail essentiel à connaître concerne le fait que son variateur de vitesse permet d'adapter la vitesse au matériau sur lequel l'on travaille. Enfin, son moteur développe une bonne puissance de 710 watts, tout cela pour un prix de 230 euros. Ensuite, nous avons la défonceuse Bosch. La défonceuse Bosch fait partie du top des défonceuses disponibles sur le marché. Elle est en effet équipée d'un moteur qui développe la puissance hallucinante de 1400 watts, largement suffisante pour travailler tout type de bois sans exception. De plus, elle embarque un régulateur électronique intégré qui lui permet de garder sa vitesse constante, permettant ainsi d'obtenir une qualité de coupe optimale. À cela s'ajoute le fait qu'elle est équipée du système SDS de Bosch. Ce dernier permet en effet une mise en place facile de la bague de copiage sans recours à un outil extérieur. Enfin, cette défonceuse sort également du lot par le fait qu'elle intègre une lampe de travail. En fonction des options choisies, vous pouvez l'obtenir à partir de 145 euros, ce qui est franchement très correct pour un appareil de cette qualité. Et enfin, nous avons la défonceuse de précision Triton. Cette défonceuse fabriquée par la maison Triton possède des caractéristiques qu'il importe de connaître. Elle est assez imposante dans ses dimensions et pèse pas moins de 9 kg. Tout cela est justifié par le fait qu'elle embarque un moteur développant la grande puissance de 2400 watts. De plus, elle est livrée avec des pinces de serrage. Sa vitesse de rotation est variable et démarre tout en douceur comme pour les moteurs diesel. Et pour des raisons de sécurité, la maison Triton a doté cette défonceuse d'un interrupteur de sécurité vous permettant de tout arrêter en un claquement de doigts. Enfin, il est important de savoir que son empreinte sonore est de 89 décibels, ajouté au fait qu'elle possède une tubulure pour l'extraction de poussière. Si vous ne savez pas quel modèle choisir et que vous êtes un particulier, je ne peux que vous recommander la Makita, du fait notamment de sa polyvalence et qu'elle peut servir de tronçonneuse, mais aussi qu'elle est très pratique à utiliser sur différents matériaux comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En revanche, si vous êtes un professionnel, n'hésitez pas à acheter la Bosch ou la Triton, notamment du fait de leurs extrêmes puissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui permettent un travail de très grande qualité. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette sélection. Nous espérons vous avoir aidé dans votre choix. Les liens sont en description si vous êtes intéressé par l'une de ces défonceuses. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.